Pour avoir de belles boucles souples et qui durent, il est important d'avoir les cheveux bien hydratés. Donc la veille, on va se faire un bain d'huile qu'on va laisser poser toute la nuit. Le lendemain, on va laver ses cheveux, appliquer un masque hydratant et appliquer son leave-in. Donc moi, à cette étape-ci, j'ai déjà appliqué mon leave-in et maintenant, je vais appliquer une huile pour sceller l'hydratation. Ensuite, vous pouvez appliquer un pudding. Alors, le pudding ici est optionnel. Donc, si vous comptez comme moi défaire vos vanilles le lendemain, je vous recommande d'appliquer un pudding. Mais si vous comptez garder vos vanilles 2 voire 3 jours avant de les défaire, ce n'est pas nécessaire. Autre recommandation, essayez de garder vraiment vos deux brins du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ne séparez pas un brin pour le rajouter à un autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il faut bien que les deux brins soient les mêmes du début à la fin. Parce que quand on va défaire les vanilles, on ne va pas séparer les brins. Donc il est important que chaque brin soit indépendant, soit bien bouclé du début jusqu'à la fin. Parce que s'il y a un brin dans l'autre, ça va créer des boucles fluffy. Et c'est des boucles qui ne vont pas tenir. Donc, j'espère que j'ai pu bien expliquer. Mais en tout cas, je pense que vous m'avez comprise. Une heure avant de défaire vos vanilles, vous allez vaporiser de l'eau sur vos cheveux. Donc ça va permettre en fait à ce que vos vanilles soient... ça va repulper un petit peu vos vanilles, ça va les réhydrater et ça va permettre qu'elles soient plus fluides et comment dire, qu'elles bougent, qu'elles soient assez... comment dire ça? Oui, assez fluides, voilà. Et par contre, il faut éviter de mettre trop d'eau. Le but, c'est de faire rapidement un pchit et c'est bon. Pas besoin de se faire un deuxième shampoing.
Donc, je compte garder cette coiffure toute la semaine. En fait, c'est une coiffure que j'aime beaucoup parce que elle s'embellit encore plus avec le temps qui passe, vu que les cheveux en fait gonflent, ça prend du volume. Et donc, ce que je vais faire, je vais vous poster samedi prochain sur Facebook le récapitulatif de tous les jours. Comme ça, vous allez voir l'évolution de la coiffure sur 7 jours. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!